L'esprit vient de parler. Vous êtes envoyé pour venger ce qu'on a roué, pendu, envoyé aux galères. Vous n'avez plus rien. Les papistes vous ont tout pris. Ils ont fait renoncer vos pères à leur religion par le ministère des soldats et des supplices. Ils ont rasé vos temples. Ils vous ont mis le prêtre sur le dos comme autant de vermine pour se nourrir de vous, lever l'impôt, vous espionner et enrôler de force les plus résolus. Et maintenant, vous êtes sans souliers et sans habits. Et vous n'avez plus que vos chemises. Vous êtes proscrits. Les galères, la patence et la roue vous attendent. Allez-vous mourir comme des lâches? Autant acheter avec votre sang les précieuses libertés qu'on a prises à vos pères. Si nous sommes résolus, on nous suivra. Si nous sommes persécutés, on nous aimera. Nous gagnerons de nouvelles recrues. De la nourriture, vous en trouverez dans les villages. Des vêtements, des fusils, vous en trouverez chez les prêtres. Ou sur le corps des soldats du roi. Il n'est pas là, il est à Vénus. Qu'elle partage le sort de Judas, celle qui a partagé ses deniers. Arrête! Il a payé. Tiens, Jacques, pour remplacer nos trois balles. Ils sont partis de quel côté? Ils sont partis de quel côté? Rien à tirer de ces abrutis. Monsieur,
nom de Dieu! Le jour que nous exécutâmes le traître qui avait vendu l'assemblée du clos de Viala et que Gédéon Laporte partagea sa troupe pour brûler les églises de Frussac et de Saint-Laurent, il m'envoya prévenir la fleur du lieu où il devait se retrouver le soir même. Ah!